Salut tout le monde, c'est Camille Scooters. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je suis dans un appartement. Donc, j'ai déménagé sur Montpellier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter le skatepark local. Enfin, genre mon nouveau skatepark local. Du coup, on va y aller. Donc, vous allez voir, le skatepark, il est incroyable. En plus, il a 5 minutes de tram. Alors, c'est vraiment trop bien. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait super plaisir. Lâchez un pouce bleu et mettez-moi en commentaire cette vidéo. Enfin, genre, vous allez voir, le skatepark, il est incroyable. Donc il y a plein d'idées de vidéos que je pourrais faire ou des feats par exemple avec Kylian Nair par exemple, il est sur Montpellier aussi. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Donc nous on va se retrouver dans le tram là, donc c'est parti. Ok les gars, là du coup on vient d'arriver au skatepark. Donc je vais vous présenter le skatepark là en 2 secondes. Et après on va sortir la GoPro et on va faire des clips dessus. Donc là vous allez voir. Donc on commence avec cette mini partie. Donc petit plank, mini box. Et après il y a une petite courbe. Donc ça c'est bien, vous voyez, genre pour les débutants ou quoi. Comme ça ils vont là et genre ceux qui veulent faire du gros skatepark, ils sont pas trop embêtés par les autres. Après là on a un énorme curve en descente avec un plank, suivi des curbs, du rail, du plank, du curb. Un autre plank là. Et après on a cette fameuse groupe plank qui est juste incroyable, donc tu peux mettre des énormes tricks dessus. Une fois j'ai mis Nothing Front Scoot Whip en courbe, genre de là à là. Après il y a une énorme box là et un spine pas mal aussi là, et derrière là-bas une courbe. Donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le casque, on va mettre les genoulières et c'est parti les gars, on va se faire des clips à la GoPro. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos à la GoPro. J'ai acheté la Hero 9, donc c'est la dernière, donc la qualité devrait être vraiment pas mal. Donc nous on se retrouve maintenant sur la GoPro. Ok les gars, donc là ça y est, vous êtes sur mon casque. Donc on va se faire des clips. Donc on va commencer chill, genre on va s'échauffer sur les planks et tout. Et à la fin, restez bien jusqu'à la fin les gars, parce qu'on va faire de la boxe. Et là il y a moyen de faire des petits bangers. Là j'ai 2-3 petites idées, ça peut être vraiment pas mal. Donc là c'est parti les gars, on va commencer par s'échauffer, c'est parti. Ok donc là les gars, on va commencer chill. On va juste faire un petit tour du parc, là juste en faisant 2-3 tricks. Et après on commencera les tricks. Ok donc là on arrive sur la mini, donc j'essaie de vous faire 2-3 clips là. Et les gars, objectif de cette vidéo, viser les 1500 pouces bleus. Si j'arrive à faire flair là sur la toute petite mini là, juste là, alors allez vous allez voir, c'est hyper petit. Donc voilà, donc j'ai envie de mettre des objectifs de pouces bleus en fait sur chaque vidéo, parce que je sais que ça vous plaît. Donc là on vise les 1500, bien sûr si je le mets, j'ai un try. Donc c'est parti hein. Et n'hésitez pas à vous abonner de même si vous êtes toujours pas abonné, parce que j'ai vu il y a 80% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez vraiment pas, ça soutient de ouf. Et comme ça je peux vous proposer plus de vidéos et je peux m'acheter plus de bons matos comme l'Aero 9. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne les gars, ça fait super plaisir. Donc nous là c'est parti, on va faire le flair. Bam, first try. Wow, kickless. Bon les gars, là vous savez ce qu'il faut faire, 1500 pouces bleus, je compte sur vous les gars, bombardez. Ah je suis refait, first try c'est passé, je vous jure que c'est vrai. Donc là maintenant les gars, ce qu'on va faire c'est, on va passer sur les gros modules, hein. Court plank, box et transfert comme je vous ai dit jusqu'à la fin, donc c'est parti. Ok les gars, du coup là on s'est bien chauffé, du coup ce qu'on va faire c'est que je vais faire des clips en court plank. Donc on va se faire 4 tricks, après en box et après je vais vous montrer, il y a un super transfert aussi que on a découvert avec un pote. Et je vais faire ça là de suite. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de l'angle vue GoPro. Donc si vous aimez bien, si vous aimez pas trop. Parce que j'ai une GoPro Hero 9, du coup je peux en faire plein des vidéos avec. Donc ça dépend juste de vous, vous me dites en commentaire si vous voulez voir plus de GoPro. Ou alors si vous préférez juste à la caméra, donc vous me dites ça dans les commentaires. Ok donc là je vais commencer par un petit braille triple.
Whip oui, France Cruise Whip. Maintenant un petit whip to Mac. Pobar Bright Brian. Ok, donc maintenant on va se faire 2-3 clips sur la box. Donc par contre je tiens à préciser que la box elle glisse et que j'ai oublié mes genoulières aussi. Du coup je pourrais pas vous faire des gros tricks, mais bon c'est pas grave, vas-y. Donc je vais vous faire 2-3 tricks sur la box et après on finira sur le transfert, genre de derrière la box jusqu'au plan, qui est super sympa. Et voilà les gars, c'est parti hein. Ok, du coup je pense que je vais commencer par un petit double heel kickless double whip. Donc là les gars on va se faire de ce module là-bas, je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est une courbe, puis on va se faire un plank. Et en gros moi je suis du côté opposé, du coup en fait, je vais faire du downside. Je vais faire des tricks en downside, donc dites-moi si vous kiffez. Donc je vais commencer par un petit genre, mon préféré genre c'est full whip downside. Ok les gars, du coup là on va se faire du transfert, genre de là, tac, jusqu'à là. Donc je vais commencer par un saut normal et après on va voir ce qui est possible de faire. Donc je rappelle, j'ai pas mes genoulières en fait, je les ai oubliés à l'appart. Donc je vais pas pouvoir faire genre des braille butter et tout. Mais vas-y, c'est pas grave, je vais essayer de vous faire des bons tricks. Donc c'est parti. Ok, donc là je pense qu'on va se faire un petit... Allez, barbare. Vas-y, maintenant j'ai envie de faire un petit... Vas-y, kickless. Ok, donc là on va se faire quad whip. Et les gars, l'as de la vidéo, j'ai envie de faire whip butter là sur le transfert. Donc c'est parti là, je vais tout donner. Okay, les gars, du coup c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le format avec cette GoPro là. Donc moi je pense que ça rend super bien. Donc maintenant c'est à vous de me dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude, lâchez les pouces bleus, donc 1500 pouces bleus, on a visé l'objectif. Mettez-moi en commentaire plus de vidéos si vous aimez le concept et tout ça. Donc nous on se dit sur une prochaine vidéo. C'était Ken Scooters, ciao.